La question que se posent tous les diagnostiqueurs immobiliers euh, actuellement certifiés, hein, euh, comment je vais intégrer euh, ce nouvel arrêté et quels sont les impacts pour moi, euh, pour ma profession, pour mon activité. Euh, donc effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Les deux principaux, c'est je suis certifié et ma certification arrive à échéance avant le 1er avril 2019, donc date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Euh, et là, bon bah c'est tout simple. Hein. Si je veux continuer mon activité, il faut que je me fasse recertifier dans la continuité, donc avant le 1er avril, et donc suivant les modalités actuelles de recertification. Euh, deuxième cas de figure, mon certificat euh, euh, arrive à échéance après le 1er avril 2019, et dans ce cas-là, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Euh, soit je proroge avec cette condition de contrôle global, donc je proroge de deux ans euh, mon, mon, ma durée de, de cycle de certification, soit... Euh, je ne proroge pas, c'est un choix, euh, les, les diagnostiqueurs sont, sont libres sur ce, sur ce choix-là, et du coup je repasse après mes 5 ans, puisque du coup il n'y a pas de prorogation, euh, je repasse en certification initiale, puisqu'il n'y aura pas de possibilité de recertification, puisqu'il y a ce contrôle global qui est nécessaire pour la recertification. Il y a une possibilité aussi, euh, suivant des cas de figure euh, euh, individuels et liés à l'activité euh, du diagnostiqueur, suivant les domaines, une possibilité aussi d'anticiper le processus de recertification avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pour pourquoi pas optimiser son cycle de recertification. Pour les nouveaux arrivants dans la profession, donc là aussi deux cas de figure, puisque cette date de 1er avril 2019 est la date officielle d'entrée en vigueur de nouvel arrêté. Donc soit je me fais certifier avant cette date. Et euh, euh, ça sera euh, les anciens arrêtés, enfin les arrêtés actuels qui seront en vigueur, donc les, les modalités actuelles de, de certification initiale, avec des obligations de formation aussi sur certains domaines, mais pas sur tous. Euh, soit je me fais certifier après euh, le 1er avril, et là, ça sera le nouvel arrêté avec euh, toutes les exigences euh, qui seront en vigueur à, à ce moment-là, et donc des obligations de formation sur tous les domaines. Euh, donc en fonction de votre activité, là aussi, comme pour les gens qui sont des Déjà, euh, certifié, il y a peut-être un intérêt à anticiper euh, votre certification initiale euh, avant cette date du 1er avril 2019 pour euh, faciliter votre euh, entrée dans la profession. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Toutes les personnes de, de notre organisme maîtrisent l'ensemble du cycle et la nouvelle réglementation, donc seront à même de vous répondre euh, par rapport à votre euh, situation euh, personnelle.